Après les combats, place à la propagande des forces russes. À grand renfort d'images guerrières, Moscou revendique la chute de Lysychansk, ou plutôt sa libération, selon le vocable du Kremlin. Difficile pourtant d'y croire, Lysychansk est aujourd'hui une ville fantôme en grande partie détruite par une campagne de bombardement intense. Les forces armées russes poursuivent l'opération militaire spéciale en Ukraine grâce à des actions offensives réussies. Le groupe de forces du centre, sous le commandement du général de division Alexander Lapine, a pris les localités peuplées de Verkhnekamianka, Zolotarivka, Bilorivka et a atteint la rivière Siversky-Donetsk. Le groupe a réussi à encercler Lysychansk. Après plusieurs heures d'incertitude, l'armée ukrainienne a fini par reconnaître son retrait de Lysychansk, quelques minutes seulement après que Volodymyr Zelensky ait affirmé que la ville n'était au contraire pas passée sous contrôle russe. En direction de Donetsk, les occupants concentrent leurs principaux efforts sur la sécurisation des positions dans la zone des villes de Lysychansk et Verkhnekamianka. Les tentatives d'action offensive près de Belogorivka n'ont pas eu de succès. Elles ont été forcées de battre en retraite. La prise de Lysychansk permet à Moscou de progresser dans son plan de conquête de l'intégralité du Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine en partie contrôlée par les séparatistes pro-russes depuis 2014.